Bonsoir, bienvenue à Explora. Aujourd'hui, nous vous présentons un tout nouvel écosystème qui est apparu avec l'étalement universitaire. Il s'agit du Campus Mille. Malgré qu'il se trouve en milieu urbain, le Mille conserve des adaptations dues à sa nature sauvage. Par exemple, tout comme les serpents venimeux, il utilise les couleurs vives pour nous prévenir du danger. Vous pouvez voir les couleurs vives qui nous préviennent. Il faut s'en approcher doucement et l'appâter. Une fois que tout est en confiance, on peut s'y glisser sans danger. Voici maintenant dans l'un des lieux les plus dangereux du Mille. Effectivement, il faut faire attention, car la luminosité est vraiment très variable. Comme je disais, quand la luminosité baisse, il faut faire très attention de ne pas tomber dans les crevasses, sur les côtés. Ça peut être très dangereux. On peut apercevoir la faune locale à l'œuvre. Le Mille est un écosystème qui a été abîmé par les activités humaines. À certains endroits où la structure a été abîmée, on peut voir les entrailles de la bête. Nous venons tout juste de découvrir quelque chose d'extrêmement rare dans l'écosystème du Mille. Il s'agit d'une source inutilisée. Je vous la montre. Et ça tombe bien parce que j'avais justement besoin de me ressourcer. Malheureusement, ma lampe frontale ne fonctionne plus. Nous allons devoir nous jeter dans les souterrains pratiquement à deux. C'est ici que le Mille nettoie ses cadavres avant de les déguster. Qu'on retrouve que dans l'écosystème du Mille. Il s'agit de la plante adoctène. Cette plante pousse en produisant un support auquel elle s'attache avec du duct tape. L'écosystème du Mille est très aride. Tout comme l'Australie, il est en feu depuis plusieurs mois. Le bois y est sec et prend facilement feu. Les services d'urgence sont toujours prêts à intervenir, comme le démontrent ces images choquantes.